9. Le ciel va toucher la terre. Fondements de l'enfer seront ébranlés. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte des célébrations. Ça, c'est votre mari. Vous l'aimez? Trop, hein? Ça, c'est bien. Il aimait l'église, maintenant, il a changé. Il a changé. Vous voulez que Dieu ramène son cœur? Que Dieu change le cœur de votre mari. Est-ce qu'il y a quelque chose pour laquelle vous pleurez le concernant? Hein? Il y a quelque chose pour laquelle vous pleurez le concernant. D'accord. Est-ce que cette chose vous a causé des problèmes? Vous avez eu des problèmes? Oui. Est-ce qu'à cause de cette chose, il a changé un code quelque part? Hein? Il a changé un code quelque part? Hein? Maintenant, vous n'arrivez plus. Hein? Vous n'arrivez... Avant, vous avez le code. Maintenant, vous n'avez plus le code de son téléphone. À cause. Hein? Oui, compte. Et même téléphone. C'est qui? C'est ma voisine. Ah. Son mari ne la veut même plus. Tous les jours, son mari demande de partir. Oui, c'est ça que je suis en train de lui parler, n'est-ce pas? Hein? Il y a un problème. Numéro de compte bloqué, numéro de téléphone. C'est le téléphone qui m'intéresse. Parce qu'il y a eu des problèmes autour du téléphone. Vérité. Hein? Il y a eu des problèmes. Vous avez eu des problèmes autour du téléphone. Avant, quand vous vous connaissez, vous aviez son téléphone. Vous avez le mot de passe. Après, il a changé. Vous avez pris le téléphone un jour pour mettre le... Tant, tant, tant. Vous avez rendu compte que non, c'est bloqué. Est-ce que c'est ça? Vérité. Il y a un problème. L'homme-ci, c'est quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de mauvais. Amen. Le mari de la femme-ci n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il est tombé entre des mauvaises mains quelque part. Hein? Vérité. Vous savez ça? Vérité. Mauvaise compagnie, Dadi. Mauvaise compagnie. Zale ina ou dalaseras ou ina zalemata ou delokom. Seigneur, je t'en prie, glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. L'homme-ci, votre mari, mauvaise compagnie, mais il a envoûté. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Vous le voyez, moi je vois autre chose que la photo. L'homme-ci, il y a une fille dehors qui veut qu'il chasse la femme de dedans. Ça n'arrivera pas. Temata berazana robina rodo corozo. Pour aminorosa nita notre feramika rosezo romiwa inagromerat inavrodei. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Poupina? Do you know someone called Poupina? Oui, Nadine. Hein? Poupina, c'est qui? Une de mes cousines. Hein? Une de mes cousines. Elle est où? Elle est à Douala. Il y a. Je ne sais pas si c'est nécessaire de parler de ça, mais je pense que c'est nécessaire. Je prie que Dieu ramène son cœur. Changez votre caractère, vous comprenez? Soyez plus colérique. Changez, soyez plus colérique. Il faut la suivre bien. Il faut la suivre. La poupine dont je parlais, ce n'était pas votre cousine, ce n'est pas elle, c'était la coiffeuse, votre ancienne coiffeuse. Vous aviez votre amie qui était une coiffeuse, qu'on appelait Poupina. Vous serez étonné. Je vous dis la vérité, vous serez étonné. Pourquoi? Parce que son mari, hein? Elle a amené son mari. Elle a amené son mari pour se faire coiffer. Et son mari a vu son ami. Poupina. Est-ce que ce que j'ai dit a un sens? Hein? C'est ça. Et elle, il a vu Poupina. Pendant qu'on vous dressait, il s'est assis. Il s'est assis comme ça, à côté de vous. En face, il y avait le miroir à sa droite. Pendant qu'on vous coiffait. Après, quelque chose s'est passé. Il est sorti. Poupina est sorti. Après, Poupina est revenu. Elle voulait appeler. Hein? C'est ça, non? Et il a pris le numéro de Poupina, qui était un numéro orange, qui était 699-90-91.
Et le numéro pour Pina est dans le téléphone de votre mari. Donc, celle qui vous met dans les problèmes, c'est votre ami. Zama inna halo baros min adresto. La grande nuit de prière du mois de février. Février 19. Le ciel va toucher la terre. Les fondements de l'enfer seront ébranlés. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. Le sang. Vous perdez le sang maintenant. Oui, ça papa. Fait combien de jours? Deux semaines. Oui, vous. Papa. Je suis au deuxième année. Vous perdez le sang depuis 2 ans, jour pour jour, chaque non. jour. Non. Cycle 1 régulier. Hein? Cycle 1 régulier. Après 10 jours, après 14 cycle jours. Je vais prier pour toi. Oui. Une semaine, papa. Je n'ai jamais saigné une semaine. Une semaine. Ma fille, c'est 2 ans, 4 mois. 2 ans, qu'est-ce que c'est? 5 deux semaines. Vous saignez 2 semaines. Vous saignez depuis 1 mois, ça ne s'est pas arrêté depuis. Il y a les jours que ça s'arrête, il y a les jours. On dit saignement qui est un problème, oui. Près de 2 mois. Que vous saignez, ça ne s'arrête pas. Oui, maman. Oui. Une semaine. Une semaine. Jamais. Et vous? Je ne dirai jamais sur rien faire. Avancez. Bon, maintenant, on va faire quelque chose qui est simple. Voici ces jeunes sœurs, elles saignent et ça ne s'arrête pas. On va faire une chose. Ce que je vais faire, c'est je vais prier pour elles maintenant, au nom de Jésus. Elles vont partir avec un membre du protocole aux toilettes. Elles vont vérifier et elles reviennent nous dire ce qui s'est passé entre l'église et les toilettes. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez en direct, peut-être vous souffrez aussi de ce cas. Nous allons prier maintenant. Dieu va vous délivrer immédiatement en direct. Le saignement va s'arrêter. Quelle que soit l'origine de votre saignement, il s'arrête au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, au nom puissant et souverain de Jésus, j'ordonne que la perte de sang s'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne que la perte de sang s'arrête au nom souverain de Jésus-Christ. Allez aux toilettes vérifier. Vous remarquez, ça s'est arrêté, vous venez. Et ça fait combien de temps que vous saignez? 20 jours, je saigne plus de 20 jours. Donc vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez trouvé que ça s'est coupé. Oui, parce que quand le sang s'arrête, il y a les oui, roulements. Oui, ça va. Mais si on a compris. Quand arrivé au temps, j'ai constaté qu'il n'y a plus. Donc ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, je ne vois plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, suivante. Depuis le premier de ce mois, 2 semaines. Oui. Ça arrive maintenant que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Oui. Oui. Ça s'est arrêté, je sais, j'ai arrivé la garniture. Quand vous arrivez, vous avez vérifié, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Oui, maman. Je suis arrivée au toilette constater que ça s'est arrêté lorsque je me suis nettoyée. Ça s'est arrêté. Oui. Après avoir saigné beaucoup pendant 4 jours. Vous avez saigné beaucoup pendant 4 jours. Après la prière, ça s'arrête. Oui, maman. Hein? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Vous saignez depuis combien de temps? Ça fait pendant des années. D'accord. Je me suis même déjà fait opérer une fois. D'accord, merci. Voilà, tout vérifié. Ça s'est arrêté. Ça me fait plus mal. Waouh. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La grande nuit de prière du mois de février. Février 19. Le ciel va toucher la terre. Les fondements de l'enfer seront ébranlés. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. People of God, good morning. Good morning. Okay, you can see for yourself. Il est en train de dire qu'il fait chaud. Yes. I start coming to this church at the beginning of this year. Hein? I start coming to this church at the beginning of this year. Donc il disait qu'il a commencé à venir à l'église ici depuis le début de cette année. Yes. Okay. As all of you. As many of you are seeing, comme vous voyez plusieurs d'entre vous, I think many of you can recognize this face. Plusieurs d'entre vous reconnaissent ma face. When I was coming to this church, quand j'arrivais ici, I was not able to stand. Je n'étais pas capable de me mettre debout. But you can see for yourself, I have been standing here for more than 5 minutes. Mais vous-même, vous voyez que je suis là depuis plus de 5 minutes debout.
For the last two Sundays, il y a de cela deux dimanches, I have been able to walk from this church building to where the bus stop is. J'étais capable de quitter d'ici jusqu'en route là-bas à pied. As for my last monthly checkup, the doctor told me that my legs, which were like this, are almost balanced. Quand j'ai fait le dernier examen, le docteur a dit que mes pieds, qui étaient l'un devant l'autre, les os se sont. Maintenant, mes pieds sont presque au même niveau. Wow. Quand ton frère venait, le problème c'était quoi encore? He had the waist bones, five were completely broken. Il avait cinq os qui étaient complètement. The bones of the waist, five were completely broken. Voilà, vous souvenez, n'est-ce pas? Cinq os de sa colonne vertébrale étaient fracassés. Maintenant, l'hôpital dit que les os et les pieds qui étaient comme ça sont même. Je viens de recevoir, je continue à recevoir ce que Dieu fait pour moi. Parce que cet enfant à Yokaduma, depuis 6 ans, qui devait être délégué de la culture là-bas, on ne faisait que le rendre malade. Et il est encore venu, une semaine qu'il vient, et ça ne va pas. On a fait les visites, la poitrine, je lui ai dit, dimanche. Tu veux ou tu ne veux pas, je t'amène à l'église. Je t'ai invité plusieurs fois, tu n'es pas venu. On part, nous sommes venus. Dès qu'on l'a touché là, mardi, le ministre a envoyé qui doit être délégué à Yokohama. Yeah, lift me higher. Hey! Regardez, est-ce que Jésus n'est pas bon? Il vient, on prie dimanche. Quand on prophétise, hein, c'est pour ça qu'on dit aux gens, ne sors pas quand on n'a pas clôturé. On dit, cette semaine, tu auras une bonne nouvelle, tu dis amen. Cette semaine, tu auras un miracle, tu dis amen. Mardi, le ministre nous l'appelle. Et note, va et deviens délégué. Amen. Grande nuit de prière du mois de février. Février 19. Le ciel va toucher la terre. Les fondements de l'enfer seront débranlés. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. Luc chapitre 16, verset 19. Oui. Maintenant, vous voyez, je voudrais vous parler rapidement de l'amour inconditionnel pour Dieu. Dis à ton voisin, l'amour inconditionnel pour Dieu. Nous parlons du pauvre Lazare. L'amour inconditionnel pour Dieu. Vous voyez, Lazare. Il y a deux espèces d'enfants de Dieu. Il y a deux catégories d'enfants de Dieu. Et je vais vous montrer ces deux catégories. Pour mieux comprendre ces deux catégories d'enfants de Dieu, tu ouvres ta Bible dans Job chapitre 2, verset 9. Job 2, verset 9. La femme de Job fait une déclaration. Tu continues à demeurer dans ton intégrité. Maudit Dieu. Et meurt. Donc elle demande à son mari. Donc malgré les problèmes que tu as, Dieu t'a montré qu'il n'est pas ton Dieu. Dieu t'a montré qu'il n'est pas juste. Dieu t'a montré qu'il t'a abandonné. Puisque normalement, le genre d'intégrité que tu as là, la maladie, s'il ne devait pas te toucher. Donc si tu es malade, jusqu'à ce point, nous avons fait tout genre de prières. Rien n'a changé. Ça veut dire que Dieu n'est pas vrai. Puisque normalement, toi qui pratiques la justice, cette situation ne serait pas ton partage. Donc, si Dieu a promis d'être avec le juste, et que toi, étant juste, tu es abandonné, ce Dieu-là n'est pas sérieux. Maudis-le et meurs, on en finit. Et Job répond à sa femme.
Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Pourquoi tu peux me pousser à maudire Dieu? Et il dit à sa femme, non, je ne peux pas maudire Dieu. Parce que la santé que j'avais, c'est Dieu qui me l'a donnée. Et cette maladie aussi, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je suis serviteur de Dieu. Toute situation dans ma vie, je me soumets à elle pourvu qu'elle glorifie le nom de mon Dieu. Et il a dit à sa femme, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Et nu, je retournerai dans les entrailles de la terre. Et il s'est prosterné devant Dieu. Et il a béni. Et la Bible dit qu'en tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. Et il dit encore, et en tout cela, Job ne pécha point par sa bouche. La femme de Job représente une génération d'enfants de Dieu. Et Job lui-même représente une autre génération d'enfants de Dieu. La femme de Job représente cette génération d'enfants de Dieu qui est une génération pressée. Une génération dont le fondement de la foi n'est pas solide. Le fondement de leur foi n'est pas basé sur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aussi longtemps que Job a été en santé, sa femme était une fervente croyante. Elle servait le Dieu de Job. Mais quand les problèmes sont arrivés, elle a supporté. Et les problèmes ont révélé sa vraie identité spirituelle. En réalité, sa foi n'était pas fondée sur Dieu, mais elle était fondée sur les bienfaits de Dieu dans la vie de Job. Et pendant que je méditais sur ce passage ce matin, Dieu m'a montré quelque chose. Et je vais vous partager ce que j'ai vu. Dieu m'a dit, regarde, les deux générations d'enfants de Dieu aussi. Dieu m'a dit, la génération de la femme de Job, c'est une génération qui n'est pas fondée sur moi. Et Dieu m'a dit ceci. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ça veut dire que ceux qui servent Christ deviennent des flammes de feu parce que Dieu lui-même est un feu dévorant. Sa nature nous est transmise et nous devenons des flammes de feu dont nous brûlons. Mais Dieu m'a dit qu'il y a des personnes parmi nous qui brûlent. Mais le feu là ne vient pas d'eux, de l'intérieur. Ce feu, ils sont contaminés par le feu de ceux qui sont des flammes de feu. Et quand on les voit brûler. Mais s'ils s'éloignent de ces flammes de feu, leur feu s'éteint. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Il y a des personnes parmi nous qui pensent avoir cru en Christ, mais qui n'ont pas cru. Il y a des personnes parmi nous qui pensent être convaincus d'être enfants de Dieu, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Mais le parfait des enfants de Dieu nés de nouveau contaminent leur vie, leur caractère, leurs pensées, leurs agissements, en sorte qu'on peut penser qu'ils sont aussi nés de nouveau. Mais si on les prend pour les jeter où il n'y a personne qui croit en Christ, leur vraie nature sera révélée. Ils comprendront qu'ils étaient des mondains dans l'église qui étaient contaminés par le parfum de Dieu dans la vie des vrais serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un enfant de Dieu jusqu'à ce que Dieu vous ait éprouvé durement. C'est l'épreuve qui nous qualifie ou qui nous disqualifie. Est-ce que tu as donné ta vie à Christ vrai? Est-ce que le fondement de ta foi est basé sur Jésus? Si une vraie souffrance advenait à ta vie aujourd'hui, continuerais-tu à servir Jésus? Hélas, dans cette génération, nous avons une génération pressée, une génération sans fondement en Christ, une génération dont la foi n'est pas inspirée par le caractère de Jésus, mais la foi est inspirée par des biens que l'on convoite. On est enfant de Dieu parce qu'on veut que Dieu fasse telle chose. Le jour où Dieu cesse de faire la chose, on cesse aussi d'aimer Dieu, on cesse d'aller à l'église, on oublie même la route qui menait
à l'église. Mais les vrais enfants de Dieu, la génération de Job, rien ne les sépare de l'amour de Christ. Même pas la mort, même pas la persécution, même pas la souffrance, même pas la maladie, même pas le célibat. On a deux générations d'enfants de Dieu à l'église. Parmi nous aussi, il y en a qui sont venus pour un miracle. Ils veulent un enfant. Et si Dieu tarde, ils abandonneront Dieu et ils retourneront dans le monde. Mener leur vie d'adultère comme avant. D'ailleurs, laquelle vie ils n'avaient jamais oublié, laquelle vie ils ont gardé la nostalgie dans leur cœur. Mais un vrai enfant de Dieu, que Dieu lui donne un mari ou pas, elle est loyale à Jésus. Elle ne sert pas Jésus pour se marier. Elle ne sert pas Jésus-Christ pour avoir l'enfant. Quel est l'enfant ou pas? Elle aime le Seigneur Jésus. Écoutez, l'amour inconditionnel pour Dieu. Job représente la race de ceux qui aiment Dieu d'un amour inconditionnel. La femme de Job représente ceux qui pensent qu'ils aiment Dieu, mais qui en réalité n'aiment pas Dieu pour ce qu'il est, mais aiment Dieu pour ses grands faits, ses hauts faits, ses bienfaits. Ceux-là, lorsqu'ils sont éprouvés, ils abandonnent. Mais il y en a qui sont prêts à mourir pour leur foi. À quelle race tu appartiens? Que chacun de vous fasse un examen de conscience. Imagine-toi qu'on t'abandonne, on te jette parmi les pécheurs. Tu tiendras pour un mois. Et si tu tiendras pour deux mois, pour un an ou pour toujours, lorsque quelqu'un est de la race de Job, il est prêt à souffrir et prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah! Lazare était de la génération de Job. De ceux qui servent Dieu parce qu'ils ont connu Dieu. De ceux qui servent Dieu, pas par imitation, mais parce qu'ils ont connu Dieu. Ils ont vu Dieu et le doigt de Dieu les a touchés. C'est pour cela qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas enfants de Dieu pour imiter quelqu'un. Ils ne sont pas enfants de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. Non, ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont vu Dieu. Ils connaissent Dieu. Et personne ne peut les séparer de cet amour qui les a toujours attachés à ce Dieu. Qu'ils soient pauvres, ils vivent comme étant riches. Qu'ils soient sans enfants, ils vivent comme ayant des princes. Qu'ils soient sans mariage, ils vivent comme étant mariés. Parce qu'en réalité, ces choses n'influencent pas leur vie. C'est Christ qui influence leur vie. La Bible parle de Lazare. The Bible speaks of Lazarus. Lorsque vous regardez la vie de cet homme, when you look at that man's life, c'est l'une des rares personnes dans la Bible, one of the rare people in the Bible que la Bible appelle le pauvre. On met d'abord un adjectif qualificatif devant son nom, le pauvre Lazare. The poor Lazarus. Pour dire que cet homme n'avait rien. Say that man had nothing. Mais c'était un serviteur de Dieu. But he was a servant. Je veux que chacun de nous se mette à sa place. I want each of us. Mets-toi à la place de cet homme. Put yourself at the place of je pleure sur beaucoup d'entre vous. I cry on many among parce qu'au jour de l'épreuve, because the day je sais que vous ne tiendrez pas debout. I know you will not stand. Ils sont peu qui sont prêts malgré les souffrances, malgré les douleurs, malgré l'épreuve, à n'avoir que dans leur bouche le nom de Jésus-Christ. La grande nuit de prière du mois de février, 19, le ciel va toucher la terre, les fondements de l'enfer seront ébranlés, tous les